Avez-vous lu le dernier Bernard-Henri? Hey, calme, calme! Je n'ai pas dit Lévy, précisément pour ne pas être traité d'antisémite. Bon, je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas lu. Mais je ne vais pas mentir non plus. Je ne vais pas le lire, surtout après l'avoir entendu dire le pire. C'est un homme qui ne sait plus ce que penser veut dire. En ce qui concerne un éventuel cessez-le-feu à Gaza, ou plus exactement la fin d'un massacre, notre rabbin a longuement réfléchi. Il s'y oppose. Formellement. Idéologiquement. Stratégiquement. Politiquement, judaïquement, il n'est pas un peu à l'ouest, notre rabbin, à l'ouest du Jourdain. Monsieur Jourdain fait du génocide un genre hybride, moitié vide et moitié vide. Oups. BH, 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 BH. Qu'est-ce qu'il a voulu produire comme sophisme? Grand 1, nous voulons tous voler au secours des Palestiniens. Grand 2, or, le Hamas n'y tient absolument pas. Grand 3, donc il faut détruire le Hamas. Donc, ce qui reste de Gaza. Donc, tais-toi! Toi, tais-toi, moi, je suis moi. C'est quand même le comble de la mauvaise foi, hein? Sans science ni conscience, rien que la ruine de toute âme. Il faut lui écrire, pour le prier de cesser d'écrire. Ou alors, prier pour qu'il cesse d'écrire. Oui, une prière pour Béat.